Bonjour à tous, c'est Chloé. On se retrouve sur Yoga Lune pour une séance adaptée en cas de stress, en cas de tension dans le corps. On va venir créer l'espace dans le corps et laisser la lumière entrer dans le corps pour relâcher tout ça. Venez fermer les yeux, vous asseoir sur les talons. Prenez conscience du corps à cet instant-ci. Respirez par le nez, profondément, naturellement. Et venez doucement amener les mains devant le cœur, paume contre paume en Anjali Mudra. Relâchez la tête vers les mains. Connectez-vous à l'énergie du cœur. Respirez bien. Et connectez-vous à l'instant présent. À l'inspire, venez monter les bras, monter le regard. Et à l'expire, venez ouvrir les bras, les bouts des doigts au sol, relâchez la tête. Inspirez, montez les bras, montez le regard, allongez toute la colonne. Expirez, ouvrez les bras, relâchez la tête. À l'inspire, montez les bras, allongez. Et à l'expire, ouvrez les bras, posez le bout des doigts dans la terre. Et dernière fois, votre rythme, inspirez, allongez. Expirez, ouvrez, relâchez. Venez poser les mains sur les épaules et venez rouler les coudes vers l'arrière. Faites des grands cercles. Laissez le corps suivre naturellement. Et vers l'avant, de grands cercles vers l'avant. Respirez bien et relâchez doucement les bras. Venez prendre une torsion vers la droite. Posez la main sur le genou. L'autre à l'arrière. Posez le bout des doigts à l'arrière. Prenez une grande inspire pour allonger la colonne et sur l'expire, laissez le cœur s'ouvrir sans forcer. Acceptez ce qui vient dans la posture aujourd'hui, respirez dans l'ouverture. Relâchez les muscles du visage et relâchez au centre. De l'autre côté, placez la main sur la jambe opposée, le bout des doigts à l'arrière. Grande inspire pour allonger. Et sur l'expire, ouvrez le cœur. Respirez dans la torsion. Et doucement relâchez au centre. Venez écarter les genoux et venez relâcher le front, si possible dans le sol. Arrivez en balasana. Posture de l'enfant. Relâchez tout le poids de la tête dans la terre. Relâchez dans le dos. Vous pouvez placer également un bloc si c'est confortable sous le front. Essayez de relâcher un maximum toutes les tensions dans cette posture, de relâcher tout contrôle, tout effort et de vous connecter davantage aux sensations du corps et à la respiration. Et doucement, venez dérouler la colonne, venez placer les mains sur les genoux et laissez le dos s'arrondir, la tête vers l'avant. Inspirez, venez basculer le bassin, ouvrez le cœur, ouvrez le cou. Expirez, basculez le bassin, arrondissez toute la colonne jusqu'au sommet du crâne. Continuez à l'inspire, venez ouvrir tout l'avant du corps. Expirez, basculez vers l'arrière. Inspire, creusez le bas du dos, allongez. Expirez, venez étirer tout le dos et la nuque. Et venez vous asseoir sur les fesses en quatrième, la jambe droite devant, la jambe gauche derrière, les deux jambes pliées, les mains sur les genoux et basculez les hanches de l'avant vers l'arrière. Observez les sensations dans les hanches, relâchez la tête vers l'avant, basculez la tête de gauche à droite pour observer et allez-y dos cercle vers la droite, deux têtes. Prenez tout votre temps, déliez les tensions dans la nuque, observez les sensations dans les omoplates et les épaules. Et venez amener les mains
Entrelacez les doigts à la base de la tête. Relâchez le poids des bras. Laissez le poids des bras étirer toute la nuque. Sans forcer. Respirez dans la nuque, dans l'étirement. Et ramenez doucement. Relâchez. Et venez inverser les pieds. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Basculez de l'avant vers l'arrière. Observez dans les hanches. Relâchez la tête au centre et basculez la tête de gauche à droite. Et on est parti pour des cercles à gauche. Allez-y avec la tête. Petit cercle ou grand cercle selon le besoin d'aujourd'hui. Et ramenez au centre doucement. Ramenez les mains, entrelacez les doigts, ramenez les mains à la base de la nuque et cette fois laissez le cœur s'ouvrir, laissez les épaules et les coudes s'ouvrir vers l'arrière. Respirez dans l'ouverture du cou et du cœur, relâchez les muscles du visage. Doucement ramenez, relâchez les bras et venez vous allongez sur le dos. Déroulez le dos dans le tapis. Laissez les jambes se relâcher, le dos se relâcher dans le sol quelques instants. Et venez poser les mains sur les genoux et des ronds de genoux vers l'extérieur. En ramenant vers la poitrine et en ouvrant les genoux. Pour ouvrir les hanches et de l'autre sens, ouvrez, ramenez vers la poitrine. Et on relâche, venez allonger les deux jambes dans le sol, flexez légèrement les pieds, gardez les pieds un petit peu actifs et à l'inspire, venez monter les bras vers la tête, vers l'arrière. Vers le sol et sur l'expire, ramenez les bras le long du corps. Tout le long de l'inspire, venez monter les bras, allonger et sur l'expire, ramenez les bras le long du corps calmement. Encore à l'inspire, à votre rythme et venez prendre ici les coudes avec les mains. Étirez, relâchez les bras dans le sol quelques instants ici, dans l'ouverture. Respirez dans l'ouverture du cœur. Et relâchez doucement les bras. Ramenez les bras le long du corps. Venez ramener les pieds. Sur le sol, ouvert de la largeur du bassin. Et on va faire des petits points. L'inspire, montez le bassin, vertèbre par vertèbre. Sur l'expire, reposez vertèbre par vertèbre. Et à l'inspire, montez le bassin doucement, poussez dans les pieds. Chaque expire, relâchez vertèbre par vertèbre et le bassin en dernier. Continuez à votre rythme. Le mouvement suivant, simplement le rythme du souffle. Et venez amener le genou droit vers la poitrine, allonger la jambe gauche. Venez rouler la cheville dans un sens et dans l'autre. Et respirez ici dans l'étirement. Relâchez l'autre jambe. Et amenez les deux genoux vers la poitrine. Ramenez la tête vers les genoux. Respirez ici les épaules loin des oreilles. Et calmement, replacez la tête au sol.
et inversez, genou gauche vers la poitrine, jambe droite allongée. Relâchez tout. Ramenez le genou droit vers la poitrine, les deux genoux vers la poitrine. Faites un gros câlin ici avec les jambes. Et venez vous rouler sur le côté droit pour revenir vous asseoir sur les fesses. Allongez les jambes, venez tirer la chair des fesses si besoin pour vous asseoir bien sur les ischions. Venez poser le bout des doigts à l'arrière et ouvrez le cœur un maximum. Veillez à garder les pieds actifs, flex. Engagez le centre et respirez ici dans l'ouverture. Ouvrez le cou également, si c'est confortable pour les cervicales. Et relâchez doucement. Venez prendre une grande inspire pour allonger la colonne. Et sur l'expire, relâchez le buste vers les jambes. Attention ici d'amener le ventre vers les cuisses. Même si la réalité est peut-être loin de cette image, acceptez les limites du corps aujourd'hui. Relâchez la tête un maximum. Observez chaque sensation du corps et venez ici placer les mains vers les omoplates, vers les épaules. Venez vous masser tranquillement le haut du dos, la nuque, ce qui fait du bien dans le corps. Observez s'il y a des tensions particulières, des petits nœuds dans cette zone. Et tranquillement déroulez la colonne, ramenez les jambes et venez placer les deux pieds collés ensemble pour le Baddha Konasana. Venez masser les pieds, l'intérieur des pieds tranquillement, prenez votre temps. Et prenez une grande inspire pour allonger la colonne et sur l'expire, relâchez le poids vers l'avant, relâchez la tête vers les pieds. Vous pouvez également, si vos genoux ne sont pas trop loin du sol, vous aider des coudes pour amener un peu plus de pression, pour ouvrir un peu davantage. Relâchez un maximum, respirez dans les hanches. Et tranquillement déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Ramenez les genoux. Venez vous replacer sur le tapis pour transférer le poids du corps légèrement vers l'arrière et basculer sur le dos. Venez rouler les pieds, les chevilles, relâchez tout ici. Et transférez doucement les jambes vers la gauche pour arriver en torsion. Trouvez votre torsion d'aujourd'hui, vous pouvez ouvrir le bras droit et la tête vers la droite. Respirez dans l'ouverture du cœur. Et ramenez tranquillement les jambes au centre. Et pareil de l'autre côté, laissez les jambes tomber vers la droite. Relâchez le dos, venez ouvrir le bras gauche et le regard, la tête vers la gauche. Profondes inspire et expire. Relâchez toutes les tensions inutiles.
Et tranquillement, ramenez les jambes au centre. Venez reposer les pieds dans la terre et allonger une jambe et puis l'autre pour vous retrouver en Shavasana. Fermez les yeux ou gardez les yeux ouverts. Et prenez quelques instants ici pour vous relaxer complètement, prendre une pause. Acceptez de relâcher le corps, le mental, pour assimiler la pratique d'aujourd'hui. Observez sans jugement les sensations du corps à cet instant-ci. Et à votre rythme, vous pourrez revenir bouger le bout des doigts, le bout des orteils, venir étirer le corps comme au réveil. Prendre le temps ici de revenir dans son corps, dans la respiration. Et tranquillement, à votre rythme, vous roulez sur le côté pour revenir en position assise. Merci à tous d'avoir partagé cette pratique. Je vous dis à très très bientôt sur Yoga Lune. Namasté.